Aujourd'hui, je vous propose trois plans incontournables du blues en traversant trois périodes de ce style de musique. Nous débuterons à la manière de Johnny Hooker, pionnier du genre. Nous enchaînerons en nous inspirant d'Eric Clapton, inutile de vous le présenter. Et puis nous terminerons avec un bluesman des temps modernes, Monsieur Joe Bonamassa. Vous l'aurez donc compris, l'idée est de s'inspirer de phrasés de grands guitaristes du genre et d'essayer de les transposer pour l'harmonica. L'instrument utilisé sera en La et les plans seront en Mi. On commence avec John Lee Hooker. On reconnaît bien là le style Johnny Hooker, un peu à l'image du morceau Boom Boom, avec des bends très bien placés et parfois assez longs. Je vous montre tout de suite comment aborder ce plan. On commence en altérant le 4, on aspire ensuite la note normale du 4, puis on aspire le 5 et on revient sur le 4 altéré. Ensuite, on altère le 3 d'un demi-ton, on vient inspirer le 2, on aspire le 2 altéré d'un ton et on termine en aspirant le 2. Ensuite, la phrase suivante. On aspire le 2, on aspire le 3 altéré d'un demi-ton. On vient souffler sur le 4. On revient sur le 3 aspiré altéré d'un demi-ton. Et on termine en aspirant le 2. On refait depuis le début. Troisième partie. On altère le 2 d'un ton, puis on aspire le 2. On vient altérer le 3 d'un demi-ton. On souffle le 4. On revient sur le 3 altéré d'un demi-ton. On aspire le 2. On aspire le 2 altéré d'un ton. Et on finit en aspirant le 2. On recommence le tout depuis le début. Donc vous allez noter à la fin, on reprend la deuxième phrase. On recommence. Encore une fois. Vite. Ce plan à la Clapton est très différent du plan précédemment présenté à la Johnny Hooker. Il est beaucoup plus puissant. On utilise aussi souvent deux notes. Donc je vous montre le début. On vient souffler 3, 4, 5, 6 et on ferme, on obture avec la langue le 4 et le 5. Là, on a donc un jeu à l'octave. Puisque l'on sort un Mi, le 6 soufflé, le 3 soufflé sont des Mi.
on vient chercher de la même manière le 2 et le 5 en obturant le 3 et le 4 et en aspirant. On entend une petite différence puisque en effet le 2 aspiré est un mi et le 5 aspiré est un ré. On revient donc ensuite sur le 3 et le 6. Donc 2 fois 3 et 6, on aspire 2 et 5 et on revient sur le 3 et 6. Là, on vient inspirer 1, 2, 3, aspirer 1, 2, 3, en ouvrant la mâchoire, un coup sec. Et là, on retourne sur le 3 et 6 soufflé, et le 2, ensuite le 2 et 5 aspiré. La petite phrase ensuite. On aspire le 4 altéré, on aspire le 4. On souffle le 4, on aspire le 3 altéré d'un demi-ton, et on aspire le 2. Après, il faut le faire rapidement, donc il faut le travailler à part, et puis il faut surtout essayer d'enchaîner tout ça en gardant le rythme. Un peu plus vite. Moi, j'ai alterné au lieu de jouer. À chaque fois, vous pouvez le jouer en partant du 2. Vous aspirez deux fois le 2. Vous altérez le 2 d'un ton. Vous aspirez le 2. Vous aspirez le 1 et le 2. Vous altérez le 2 d'un ton. Et vous soufflez sur le 2. On recommence depuis le début. Ce troisième plan est un peu plus moderne que les deux précédents puisqu'il s'inspire d'un guitariste actuel très éminent dans la sphère du blues, Monsieur Joe Bonamassa. Alors, ce troisième plan est aussi un peu plus compliqué puisqu'il fait appel à la technique de l'overblow dans le 6 soufflé, précisément ici. Il est encore plus compliqué puisque nous devons passer du 2 aspiré à l'overblow du 6 soufflé. Alors, certains vont régler les lamelles, rapprocher les lamelles des plaques pour obtenir ces fameux overblows. Moi, je vous avoue que sur un crossover comme celui-ci de chez Honor, j'ai vraiment pas de mal à obtenir le 6. Le 6 est assez facile à obtenir. C'est parfois pas toujours très juste, où on entend un petit peu de souffle. Bon, moi, je trouve ça très sympa pour ce style de musique, pour le blues. Voilà, donc on attaque tout de suite ce plan. Première difficulté, on commence ce plan en aspirant le 2 et en allant souffler le 6. Ensuite, on aspire le 5 et on vient ressouffler sur le 6 et on vient aspirer le 2. Ensuite, c'est là que le 6, l'overblow du 6 apparaît. Donc, je reprends. Donc après le 2 aspiré, on va attaquer le 6 en effectuant ce fameux overblow. Et ensuite, on vient souffler le 6, évidemment sans overblow. Et là, on vient aspirer le 5 et ressouffler sur le 6. La
suite. Là, on fait 2 aspirés, 6 soufflés, 5 aspirés, 6 soufflés. Ensuite, 2 aspirés, 2 fois. Ensuite, 3 aspirés altérés d'un demi-ton, 3 fois. Et on vient souffler 2 fois sur le 4. Voilà, ce tuto est terminé. S'il vous a plu, je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Bye.